Des cas de jeunes migrants dans la rue, mineurs en attente de prise en charge, d'autres déclarés majeurs par le département. Utopia 56 les recueille, mais manque de place et de bras. Une cinquantaine de bénévoles de l'association manifestaient aujourd'hui à Tours. Audrey Champigny. Youssouf est originaire de Guinée. Il a 16 ans et demi et est arrivé à Tours il y a 4 mois. Épaulé par l'association Utopia 56, il va à l'école alternative en attendant d'être scolarisé ou de travailler, mais reste pour le moment sans papier. J'ai été ici avec mes papiers, mes documents au département, mais ils m'ont dit que les documents étaient authentifiés, soi-disant, je ne sais pas ce que c'était quoi. Sinon, je suis venu avec ma carte d'identité scolaire, tout. Quand j'ai dit ça, ils m'ont dit que non, que ce n'est pas ça. Depuis 2017, 50% des jeunes accompagnés par Utopia 56 ont été reconnus mineurs par un juge des enfants. Ils sont ensuite pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais chaque année, l'association recueille de nouveaux migrants et elles se sentent abandonnées par les pouvoirs publics. Ça fait 5 ans qu'on demande à ce qu'ils nous rencontrent pour discuter de ces jeunes qui sont refusés par le département pour qu'on puisse trouver des solutions entre l'État, le département, la mairie, toutes les institutions. Et le président du département bloque complètement. En un mois, 10 jeunes migrants ont été remis à la rue, faute de papiers en règle. De son côté, le département d'Indre-et-Loire n'a pas donné suite à notre demande d'interview.